Salut à tous les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Parce que moi oui, comme d'habitude en fait, voilà, on se retrouve aujourd'hui sur Death Stranding les amis, on va continuer l'histoire. La dernière fois on avait incinéré du coup la présidente, magnifique hein, excellent. On kiffe tous hein, l'incinération de la présidente, et maintenant on va devoir fuir à tous ces petits monstres, les échoués, hein, plus connus sous le nom de les échoués. C'est parti. Alors les amis, nous voici arrivés à l'incinérateur à l'ouest de la capitale, hein. Comme d'habitude. Ça commence direct, hein. L'action ne se fait pas attendre. Hein. J'étais pas prêt pour ça, je me suis dit on va quoi. Oh, wow, mais c'est insane les amis, vous avez vu ça? Bon, mon avis, on est vraiment très proche, hein, parce que... Ah ouais, ils sont vraiment hyper proches, les amis. Et c'est un jeu d'horreur en fait, à quoi je joue là, c'est pas possible. Ok, les amis. Ça va être très compliqué de jouer. Cassez-vous! Ah! Je veux pas perdre! Je ne veux... Ah! Ah non! Les amis! Ah, vous... Wow! Bah les amis, c'était pas de tout repos, hein. Et on doit aller où? Ah, on doit retourner là-bas. Ah ouais, c'est... Waouh! Arrête de courir, s'il te plaît! C'est haut, hein. Il doit y avoir un chemin. Oh yes! Oh, regardez-moi ça! Les amis, pourquoi j'utilise les mauvais chemins? T'inquiète pas bébé, on est très fort. En plus il y a l'élan et tout, donc du coup on est obligé de tomber si on tombe. Hein. Waouh. Attendez, poussez d'adrénaline en cas de rencontre. Les rencontres avec les ennemis entraînent une qui restaureront rapidement de votre énergie, votre niveau d'énergie baissera du poids autant. S'il te plaît. Le niveau de stress de bébé augmente, hein. Bah alors? Regardez, il est pas bien.
Bah voilà. Tout va bien. Voilà, maintenant il fait dodo, donc on est très bien les amis. Hein. On se maintient, s'il te plaît, professeur. Attends, ça va être nous les futurs présidents, les amis. Hein. On se doit de rester en vie quand même. Lorsque vous maintenez en équilibre votre équilibre en traversant, vous serez en mesure de résister au courant. Si vous mesurez votre équilibre en restant sur vos deux mains, vous résisterez plus longtemps. Ouais, ok. Allez, on résiste. Yeah. On va aller revoir tout le monde. Ah. J'ai quoi? Tombé? Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais. Oh. Ah. Non, je glisse. Adieu. Non, c'est bon. En plus, la musique qui fait bader, genre. Aïe, aïe. Ah, je tombais. Ya, par-dessus le caillou. Ouh. On doit retourner là-bas, les amis. Là où il y a l'espèce de triangle, comme il avait dit, le fameux docteur. On a eu un petit moment de stress quand même. Hein. Oh, on pouvait faire un double saut. Regardez. Oh, tu me fais chier, hein, avoir tout le temps soif. Allez, boire un Monster Energy, tiens. Allez, hop. Niveau d'énergie récupéré. Les amis, n'abusez pas de ce genre de conneries. Monster Energy, c'est bon, c'est même très bon. Mais non, c'est pas bon, en fait. Ce jeu nous incite à en boire, hein. Officiellement. Et ton décor, non, peut-être, Kevin? Je sais pas. Est-ce que je vous incite à boire du Monster, les amis? Non. Bon, voilà. Eh ben, voilà. Avec l'aimable autorisation de Nevado Musico. Ouais, je sais, c'est pas du tout un jeu japonais. Mais les développeurs, Regardez, on retourne à la source. J'ai été maltraité, les amis. S'il vous plaît, donnez-moi de l'aide. Un camion. J'espère qu'on va pouvoir les utiliser, tout ça, les amis, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Parce que, comme ça, ça va être insane. Et je pense que vous êtes d'autant plus d'accord avec moi, les amis, hein, parce que... Avouez, un petit coup de camion, là, comme ça. Voilà, enfin, bref. Je suis en train de péter les plombs, là, les amis, parce que j'ai trop envie d'utiliser ces trucs-là, bien, vous voyez. Attendez, peut-être qu'on peut déjà les utiliser, en vrai. Oh non. Déjà, on me dit bienvenue, hein, Sam Porter Bridges. Merci, les amis. Ah, je dois aller là-bas. Revenez au centre de distribution. Capital Relais. Oui, je sais que je retrouverai grâce à ma boussole. N'oubliez pas de nettoyer ma tenue quand je rentrerai à la base, messieurs, hein. Oh. Ouais, on a fini la mission. Cinématique, les amis, hein. Survécu tous les deux. Quand une personne atteinte du Doom se branche à un bébé, ses émotions et ses souvenirs créent un retour, comme une enceinte en fait. Il amplifie vos peurs et vos angoisses, et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sortir. Je suis désolé, Sam, mais ce bébé a atteint ses limites. Il n'y a plus qu'une seule option pour lui, l'incinération. Sam, allez faire un brin de toilette, et rejoignez-moi dans le bureau de la présidente. Il faut qu'on parle. Oh.
soleil se couche, la journée s'achève, tu bailles aux corneilles, ne fais pas semblant. Bon bah les amis, on se retrouve ici à la zone de résultats, hein. Comme prévu. Hein. J'aimerais bien cacher l'évaluation générale, mais du coup, je le ferai pas les amis. On s'est tapé un B, oui, je sais. Je sais, ça fait vraiment mal, oui. Sam, je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couvert de chiralium. Il faut pas que la présidente vous voie comme ça. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? Elle est morte. Vous êtes contrarié. C'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin, parce que moi, je vous emmerde. En tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi. C'est lui qui nous a sauvés, y compris vous. Restons-en là. Je vais m'occuper de lui maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Tiens. C'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Épisode 2, les amis. Amélie. Fini l'épisode 1. Du coup, on va pouvoir passer à l'épisode 2. Insane. Votre énergie... Niveau d'énergie au plus haut. Niveau sanguin récupéré. Votre gourde a été remplie. Bonjour, Sam. Hello. Ici Dyerman. Une chambre privée a été mise à votre disposition. Oh, si je pouvais et prendre la tenue comme ça, là. Prenez le temps de vous laver pour éliminer tout ce qui radium. Ensuite, vous me rejoindrez dans le bureau. Et vous avez vu les muscles qu'il a maintenant qu'on peut profiter de notre petite zone. Hein, personnellement, j'aimerais bien avoir ces muscles. Hein. Utilisez les toilettes. Debout. Bah comment je fais pour me lever? Hein, Lani? Boire. On a soif, là. Ça fait exactement le même bruit dans la réalité. Ils se sont gavés, hein. Faut croire que tous les livreurs ont la même descente. Revenir, rue. Attendez, on va jeter un œil à bébé, là. Quoi? Oh. Pourquoi on peut pas? Ah, prendre une douche. Ok, c'est vrai, il a dit prendre une douche. Bah, faut prendre une douche. Non! Mais c'est insane, comment ça marche, un coup de bouton, clac, 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 clac. Ne regardez pas son cul! Heureusement que c'est flouté. Non mais oh, les amis. Par contre, au niveau des pieds, on s'est fait écraser, hein. Là, c'est exagéré. Faut croire que j'ai plus droit à mon intimité. Non. Sauf quand vous prenez une douche,
ou vous allez aux toilettes. Wow! Sentez-tu donc que vous étiez sous la douche? Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Ouais, c'est vrai. Il y a de quoi être complètement taré. N'oubliez pas, la présidente est morte, hein. C'est pour éviter que les gens se soucient de quoi que ce soit, hein. N'oubliez pas, les amis. N'oubliez pas, on n'est pas... Pardon, je... Service d'isolement, bureau de la présidente de l'U. Vous avez assuré, Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là, mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revus depuis 10 ans, c'est ça? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Toi aussi, en revanche, Sam. Tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple. Pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux villes unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai faits à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition, l'élite de Bridges 1, pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à 10 kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA, les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relais frontière. Vous êtes arrivé au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule, ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontière reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie est leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontière. Je vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tue des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits, et les néantisations, ça les amuse.
croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville Relais Central ? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous, Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là, hein ? Vous valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat, non pas rester isolés, mais tous nous rassembler, former des réseaux Kiro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kiral. Emportez-le vers l'Ouest, Sam, et reconnectez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous, ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam ! Sam ! Ne partez pas ! Attendez ! Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous. De vous deux. C'est pas en recouvrant le monde de câbles qu'on met fin à la guerre ou à la souffrance. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer. Ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle, hein. Connectez, reconnectez, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam. J'ai compris. Calmez-vous un peu. C'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages, rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. On peut dire que c'est rare de voir le Dooms et les bébés faire bon ménage comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux, je me trompe ? Sam. Écoute, ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant.
Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre, mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Sam, ici Die Hardman. Vous avez dormi comme une souche. Vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilette, etc. Alors les amis, je refais mon apparition. Inspectez votre matériel. Du coup, regardez, on a accès à tout ça. Hein. Ça y est, on va commencer à pouvoir se bouger et tout ça. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Ouais, c'est vrai. Donc voir comment Bridges fonctionne. Ah oui! Trop cool! Mais bon les amis, ce sera tout pour cette magnifique vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like, le petit commentaire qui fait plaisir les amis, si on continue ou pas le let's play. Bon moi d'ailleurs je le continuerai, donc c'est pour savoir si vous allez le suivre sur ma chaîne, sachant qu'on l'a commencé ensemble ou peut-être pas, hein, peut-être que vous avez déjà commencé à regarder des vidéos, que vous avez déjà commencé à jouer, mais que vous venez comme ça par un petit coup d'œil savoir ce que je fais moi personnellement. Mais bon, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux les amis, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.